La leçon d'aujourd'hui s'adresse aux techniciens d'audiovisuel de première année et est relative à la création et développement des radios privées. D'abord, on va parler du contexte. La création des radios privées marocaines n'est pas très ancienne. Elle relève de la nouvelle ère, c'est-à-dire au début des années 2000. Au début des années 2000, on va assister à la création d'un nombre de radios privées. Ces radios privées sont nées après le monopole de l'État sur l'information depuis l'indépendance. Et les radios privées, bien sûr, elles permettent la libéralisation du champ audiovisuel au Maroc. Bien sûr, ça présente plusieurs avantages, dont la liberté d'expression. On va assister à une plus grande liberté d'expression et en même temps le traitement de sujets qui sont restés tabous pendant plusieurs années. Maintenant, on va parler un petit peu des spécificités des chaînes de radio qui composent un petit peu le champ audiovisuel marocain. Parmi les radios les plus importantes, on va retrouver Aswat, par exemple. C'est une chaîne généraliste. Cette chaîne a la particularité de présenter des news, du sport et beaucoup d'émissions où on va aborder plusieurs sujets et divers sujets. On retrouve aussi la chaîne Atlantique, qui est également une chaîne généraliste. Et cette chaîne, comme la première, elle s'intéresse à la musique, elle donne des informations, comme elle parle aussi du sport. Il y a une chaîne qui est destinée au nord du Maroc, elle est également généraliste, et qu'on appelle Cap Radio. Il y a une chaîne aussi qui a son public, elle est généraliste également, où il y a beaucoup d'émissions, elle accentue un petit peu elle oriente ses programmes sur les émissions, de différentes émissions économiques, des émissions sociales, mais aussi on va écouter beaucoup de musique. Hit Radio, c'est une chaîne spécifique celle-là, contrairement aux chaînes qu'on vient de citer. Elle est destinée essentiellement aux jeunes, donc elle va évoquer des petits sujets concernant la jeunesse, comme la musique, c'est une musique de jeunes. Midi 1, c'est une chaîne qui est aussi généraliste. Elle s'intéresse à l'économie, elle s'intéresse à la musique, elle donne aussi des informations, elle s'intéresse au sport. Mais il y a une part privée et une part étatique au niveau du financement de cette chaîne. Midi 1 est la première chaîne privée au Maroc. Elle est née en 1980, pendant très longtemps. Elle avait le monopole de la publicité jusqu'à l'année 2000, avec la fin de ce monopole, ce qui a permis la création de plusieurs chaînes. Il y a également une chaîne Radio Plus qu'on va retrouver à Agadir, qu'on va trouver à Marrakech. C'est une chaîne généraliste. Elle accentue un petit peu, l'oriente ses émissions au niveau du sport, au niveau de la musique, au niveau des informations. Radio Sawa, c'est une chaîne qui a un statut particulier. C'est une chaîne financée par les Américains. Elle est multilingue. Donc, il y a l'anglais, il y a l'arabe, comme il y a le français, l'espagnol. Et c'est une chaîne qui oriente ce programme sur les informations. MFM, c'est une chaîne qui existe à Casablanca. Elle est généraliste. Elle bénéficie d'une large audience. Elle oriente ses programmes sur les news, les informations, la musique et beaucoup d'émissions où il y a un échange entre les auditeurs et la chaîne autour de sujets parfois assez audacieux. Radio Mars, qu'on va retrouver aussi dans plusieurs villes, aussi bien Casablanca qu'à Marrakech, c'est une chaîne radio et généraliste. Elle oriente ses programmes sur les news, sur le sport et la musique. Et enfin, il y a Lux Radio. Lux Radio, c'est aussi une chaîne spécifique. Il n'y a pas beaucoup de chaînes spécifiques au Maroc. Elle est spécialisée dans l'art. Elle évoque la musique, elle évoque aussi l'art plastique. Donc voilà un petit peu, il n'y a pas toutes les chaînes, on n'a pas évoqué toutes les chaînes, mais on a cité les principales chaînes privées au Maroc en insistant un petit peu sur leurs spécificités. Merci.